Allô, alors, Joanne Trudel et Marcel Jeté, avant de vous unir pour la lignée du mariage, je vous fais lecture de certains articles du Code civil qui vous exposent les droits et devoirs des époux. Alors, l'article 392. Les époux en mariage, les mêmes droits et les mêmes obligations. C'est égal des deux bords. Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ils sont tenus de faire vie commune. L'article 393. Chacun des époux conserve en mariage son nom. Il exerce ses droits civils sous son nom. L'article 394. L'ensemble des époux assure la direction morale et matérielle de la famille, exerçant l'autorité parentale et assume les tâches qui s'en découlent. L'article 395. Les époux choisissent de concert la résidence familiale. En l'absence de choix exprès, la résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille habitent lorsqu'ils exercent leur principale activité. L'article 396. Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Chaque époux peut acquitter de sa contribution par son activité au foyer. Tu dis, c'est moi qui fais le ménage encore. Ah, ouais, ça a l'air à ça. Bon, là, ça sent bien.